Assoir Eternel Football a annoncé la nomination de Sébastien Meunier à la tête de la sélection nationale. Il est important pour nous demander qui est capable d'espérer, qui est capable de retenir dans Sébastien. Est-ce que Sébastien est capable bien venir résoudre le problème qui gagne en dans sélection nationale senior là? Nous allons essayer de faire un petit parler de sélection ça. Nous allons essayer de garder ensemble ça capable de faire puisque en pile temps depuis que les fans de la sélection nationale senior a prétendu une régularité dans mes équipes ça. Ça fait un pile temps depuis que Silao qui toujours des sélections a souffri. Ça fait un pile temps depuis que n'a cherché un sauveur, n'a cherché une personnalité qui est capable eh bien bah nous une sélection compétitive lorsque nous pouvons aller dans des compétitions internationales pour nous gagner assurance que nous pouvons ouais une sélection qui a joué, nous pouvons ouais une sélection qui va tête chassée à fond pour capable eh bien réaliser quelque chose. Puis après le départ de Marcola à la tête de la sélection nationale, eh bien sélection ça il gagne pas mal de problèmes. Pourtant Marcola c'était personne idéale qui était capable ou du moins qui était commencé par nous et stabilité ça que n'a cherché journée aujourd'hui. Marcola arrivé dans cette équipe là en 2014. Il fait un an après nous révoquer. Makola nan un an fait avec l'équipe là, c'est 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites sur 18 matchs que Makola lui-même les jouer. Et quand même fait seulement 6 défaites après une saison nous pas que Makola malgré un très bon goal cup qu'elle t'a fait en 2015. Nous songe équipe haïtienne ça qui pas ridicule du tout. C'était une équipe qui t'a joué bon football. Donc c'est une équipe où senti qui t'a gagné un caractère, c'est une équipe qui t'a gagné personnalité. Donc nous voyons Makola aller. Et puis nous échoué devant Nicaragua dans le Gold Cup 2017. Donc nous pouvons faire Makola venir encore en 2018 je crois. Donc Makola venir l'aller dans le Gold Cup avec nous en 2019. Nous songeons qui ça Makola lui-même l'a fait dans le Gold Cup ça avec l'équipe haïtienne non qui pour la première fois pour le qualifier pour des demi-finales dans le Gold Cup format actuel. Je dis bien dans le Gold Cup format actuel parce que Haïti a remporté la compétition CONCACAF dans la zone déjà. Nous avons remporté en 1973. CONCACAF a été même fait en Haïti. Il a été servi comme étant donc éliminatoire pour la Coupe du Monde de 1974 qui a fait en Allemagne et qui nous a participé. Eh bien, c'est pour la première fois, madame, monsieur, Haïti a joué demi-finale dans le Gold Cup format. C'est Makola qui fait nous jouer. Donc, Makola, pour deuxième tour dans la sélection, c'est 7 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites. Il a joué 16 matchs. Et bien, après, et donc, Gold Cup, ça, le Gold Cup de rêve, nous allons dans le dossier Ligue des Nations. C'est vrai, nous éliminer la Ligue des Nations. Hein? Mais, vous avez toujours senti Haïti. Li gagne yon équipe qui a des caractères. C'est une équipe qui gagne l'ordre, une équipe qui gagne discipline. Donc, on a fait match nul avec Costa Rica par les deux reprises. Donc, Costa Rica a joué 3 matchs avec nous. Il va battre nous. Nous battons dans le Gold Cup 2 goals à 1. Nous jouons dans la Ligue des Nations. À 2 fois, nous faisons 2 matchs nuls avec nous. Et dans cette victoire que Makola fait, il bat 2 géants de la zone. T'as coup le Canada, t'as coup Costa Rica. Dans 5 nuls, ça fait 2 nuls avec le Costa Rica. Donc, c'est quand même un bon passage. Et lorsque Makola a fait un passage ça à la tête de la sélection haïtienne, moi je pense que la fédération, les poils, donc toujours continuer avec Makola. La baille Makola des nouveaux joueurs. La baille Makola. Eh bien, madame, monsieur, ils ont un encadrement qui est beaucoup plus en forme pour toujours être dans la tête de sélection nationale. Là. Eh bien, le Makola lui-même tourne dans le Gold Cup. Makola dit, monsieur, yo, si que yo pas bali, si que yo pas augmenté sa lèvre, si yo pas mettre sous cobli, le pape continue. Avec un pile étonnement, monsieur, na yo décidé de limoger Makola. Tellement saisi, yon entraîneur qui fin fait exploit ça avec yo. Qui moun qui t'a fait exploit ça qui peut demander augmentation salaire? Qui moun bon équipe
qui pas jamais qu'on fait demi-finale en compétition et li prend équipe là li fait demi-finale dans demi-finale il fait li bat Canada li bat Costa Rica pour pas demander augmentation donc au lieu pour et monsieur yo les assez là le Jean-Bas qui était là fait en sorte que yo augmenter salaire yo joignon et bien en tête avec Makola yo était obligé remercier et bien après au fin remercier Makola sélection li pral fait yo paquet de temps sans que pas rentrer dans la tête li finalement nous t'al tomber sous monsieur Jean-Jacques Pierre donc nous prend Jean-Jacques Pierre et Jean-Jacques Pierre yo pral révoquer encore. Il prend monsieur Calderon lui-même arrivé mais ça Calderon lui-même lui fait décisif donc fédération haïtienne de football un match que c'est dirigeant football dans pays d'Haïti l'étape joué madame monsieur pendant week-end sélection nationale il pas contre killer pour révoquer entraîneur il pas contre killer pour bailler entraîneur à confiance donc c'est une instabilité qui gagne qui fait que ouais sélection senior là surtout il est toujours à traîner comme ça maintenant nous avons un nouveau entraîneur qui c'est monsieur Sébastien Migné. Donc nous monsieur ça c'est un entraîneur qui travaille en pile en Afrique. C'est vrai il regarde les résultats, faibles. C'est pas un entraîneur qui réalise trop bagaille. C'est pas un entraîneur qui gagne un palmarès qui riche. Il passe dans plusieurs équipes. Regarde les réalisations monsieur, c'est pas trop bagaille que ça. Et il pas fait plus que un an en équipe yo. Les paris en pile. J'aime te dire la vraie qui ça qui cause monsieur pas jamais été dans équipe yo. Donc et qui ça monsieur capable porter pour Haïti? Ben c'est les gars plus expérience. C'est vrai il pas arrêté mais les gagner expérience, les gagner de l'expérience lorsque il passe dans équipe yo. Et bien madame monsieur, monsieur nous doit bal le temps. Faut que nous bal le temps pour le connaître équipe là, faut que nous bal le temps pour le travail, faut que nous bal le temps pour accoucher ou du moins pour mettre chita ça que li vle mettre chita parce que entraîner a gon philosophie entraîner a gon façon li wè jwet lan fòk nou bal tan fòk nou bal patience pour le capable et bien gen tan mettre chita sal dwe mettre chita parce que nou wè comment ça fait dans football européen football que n'a pas gardé chaque jour lorsque entraîneur dans l'équipe dans l'équipe là, il a besoin d'un temps d'adaptation. Il a besoin d'un temps pour capable reconnaître tout joueur. C'est toute sélection, sélection encore c'est plus difficile. La nouvelle sélection tant que sélection haïtienne non, nous pas gagner des joueurs qui ont même a évolué dans grand championnat. C'est pas des joueurs que entraîneur même yo connaît. C'est lorsque yo vini dans tête sélection, c'est là ça on prend du temps pour donc yo capable connaître joueur. Donc on pensait que nous supposons bail Sébastien Migné toute liberté en dans équipe là. Faut nous bail liberté, faut que lui capable libre pour faire choix. C'est pas fédération qui pour faire liste pour entraîner là. Donc nous devons bail entraîner là quelques petits matchs amical pour qu'il capable jouer davantage et lorsque il fin jouer au l'une compétition il va jouer pour lui-même pour le connaître qui joueur qui entre dans plan. Qui joue qui pas entrer dans plan, qui joue qui permettre système ni en marché pour capable bailler résultat. Mais sinon, c'est pour laver mes bien propres si à terre. Si c'est gens nous qu'on habitué faire là, toujours joindre des entraîneurs qui sont caractère, c'est nous même qui fait des faits, même j'en a fait avec sélection mesdames yo. Donc moi même penser pas bien résultat cap venir. Donc nous doué ba entraîner autant, nous doué ba entraîner au moyen pour que vous soyez capable et bien accoucher ça vous voulez accoucher.